presentate dalla SMA a Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II sulla piazza di Palazzo le nuove benne completamente elettriche per la raccolta dei rifiuti in città. Non si tratta solo di veicoli, ma anche dell'attrezzatura per il sollevamento e la compattazione del contenuto dei cassonetti, con il doppio obiettivo di ridurre l'inquinamento dell'aria ed acustico. Vous êtes le premier pays à avoir tout ça en électrique, Monaco. Voilà, ils vont vous le dire, on est la première collectivité dont les ordures ménagères vont être collectées avec des bennes 100% électriques. Donc c'est une grande satisfaction que la principauté puisse se prévaloir de cela et puisse modestement peut-être montrer l'exemple. On espère que d'autres collectivités suivront. Vous allez changer aussi les tout petites qui tournent en ville? Tout à fait, les toutes petites, les mini-bennes. Alors là, on en a 4 qui vont arriver d'ici fin avril. Donc on a un programme accéléré pour faire en sorte que toute la partie collecte publique, ordures ménagères et verre, les collectes de verre aussi, se fasse avec soit les grosses bennes que vous voyez là, soit des mini-bennes qui arriveront dans 2 mois. C'est un gros investissement et ça induit aussi beaucoup de modifications. C'est-à-dire que les chauffeurs n'ont plus les mêmes compétences. L'atelier qui entretient les bennes et doit dorénavant être en capacité de travailler sur des éléments sur l'électrique et non pas du thermique. Ricordiamo che il governo di Monaco si è impegnato a diminuire le emissioni dirette di gas a effetto serra secondo il protocollo di Kyoto. Per raggiungere questi obiettivi nel funzionamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti domestici assimilati e il trattamento di rifiuti non energetici recuperati, la SMA è in prima linea e lo ha dimostrato con questa presentazione.